quelques idées cadeaux, quelques beaux livres, ou quelques livres, enfin, s'ils sont tous beaux nos livres. Voilà, alors, un coup de cœur pour cet album qui s'appelle La ferme des animaux, donc c'est le texte de George Orwell et des illustrations de Quentin Greban. Donc, on a le texte intégral et de superbes illustrations de ce classique de la littérature. Alors, c'est intergénérationnel, familial. En fait, tous les animaux sont égaux, enfin, surtout certains. Voilà. Toute ressemblance avec notre société est fortuite. Voilà. Donc, les illustrations sont vraiment sublimes. Vraiment, vraiment un beau cadeau à se faire et à faire. Voilà. Donc là, on est à 30 euros, par exemple. Voilà. Après, dans les livres qui font du bien ou qui peuvent faire du bien, c'est l'encyclopédie du chat-soigneur. Alors, c'est toutes les vertus du chat. Et avec de très belles aquarelles. Alors là, elle est petite, mais il y en a de très très belles. Je vais vous montrer. Hop, voilà. Pour tous les amoureux des chats. Alors Véronique Ayache est connue de. Enfin voilà, elle avait fait l'éloge de la légèreté, l'éloge du chat déjà. C'est vraiment quelqu'un qui souhaite faire du bien aux autres. Voilà. Donc là par exemple, on est à 24,90 chez Flammarion, l'encyclopédie du chat-soigneur. Toujours pour se faire du bien, un petit coffret sympa comme tout. Alors, je ne sais pas si je prononce bien, mudra. C'est le yoga des mains, en fait. Donc, c'est un petit coffret avec des cartes et on en pioche une au hasard. Et voilà, on a un petit signe à faire. On peut se reporter au petit livre qui donne plus d'explications. Et apaiser sa colère, accepter, lâcher, débloquer ce qui coince et avancer. Voilà, et plein, plein, plein de petits gestes très, très simples qui peuvent, voilà, qui peuvent faire du bien à faire quand vous avez 2 minutes dans la journée. Vraiment, c'est très, 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 très facile. J'en ai fait quelques-unes, voilà, en 5 minutes, et vraiment, c'est impeccable. Voilà, il n'y a aucun souci, c'est très, très facile. Voilà, donc ça c'est dans les petits livres qui font du bien. Dans les livres qui font du bien et qui peuvent faire du bien aussi, c'est la cuisine en partage. Alors Sonia, pareil, je vais mal esgulian, elle avait déjà fait plusieurs livres de recettes. Et là, en fait, c'est un livre au profit d'Handicap International. Enfin, il y a une partie du livre qui est reversée à Handicap International. Et ce sont 40 recettes issues de 27 pays différents. Voilà, des recettes plus ou moins difficile, mais quand même des recettes sympas avec des portraits et puis des témoignages de gens. Pourquoi en fait ils nous donnent cette recette-là? Pourquoi ils ont envie de la partager avec d'autres personnes et ce que ça représente pour eux? Voilà, donc un très beau livre aussi. Voilà, et donc il y a 1 € de reversé à Handicap International pour chaque livre acheté. Voilà, très très chouette. Ensuite, dans les beaux livres aussi, alors celui-ci, spécial Val-de-Loire, potager et jardin d'utilité. C'est un inventaire photographique avec plein de beaux jardins que vous pouvez aussi aller visiter. Des jardins un peu, alors ce qu'on appelle en partage, c'est-à-dire qui ont été faits à plusieurs. Voilà. Et qui ont une vertu, enfin une vertu, un but commun. Voilà, je m'exprime mal. Voilà. Avec de très très belles photos. Je ne sais pas si on voit bien, mais vraiment magnifique. Voilà. Donc ça, c'est un très très beau livre en partenariat avec la région Centre-Val de Loire à 24 euros. Voilà. Alors, il y a quelques mois était sorti L'homme chevreuil. C'est l'histoire de ce garçon qui a vécu 7 ans dans la forêt et qui s'est fait
qui s'est fait l'ami de la nature, enfin copain des chevreuils. Donc pour Noël, là sort une version illustrée. C'est le même texte que le texte original, hein, donc voilà. Sauf qu'il y a plein de photographies en plus. Voilà. Alors c'est vrai que pour ceux qui ont déjà acheté le livre, le petit plus c'est les photos, mais c'est vrai que bon après on peut pas déchirer les pages pour avoir que les photos, hein. Ça c'est pas possible. Mais voilà, mais c'est vrai que les photographies sont voilà sont magnifiques. Donc c'est le témoignage de ce jeune qui vit, qui a vécu dans la forêt. Voilà. Hop. En idée cadeau originale et sympa. Moi j'aime beaucoup cette collection. Alors il s'agit de reproductions. Voilà, de reproductions d'art. 21 planches. Alors je sais pas si on voit bien. Hop hop hop. Et donc on peut les encadrer ou les poser comme ça. Elles sont cartonnées en papier. Et voilà, ça peut faire sympa. Donc il y a plusieurs thématiques. Une japonisante. Et puis la leçon de choses avec d'anciennes planches sur les insectes, les champignons, les poissons, les papillons, les œufs. Enfin voilà, moi je trouve que ça peut faire très très beau. Alors toujours dans le végétal, Faïdon sort un magnifique livre, pareil, de planches. Tout en relation avec le monde végétal, avec quelques avec des explications. Ça, c'est un très très beau livre. Voilà, c'est pour les amoureux de la botanique. Voilà. Donc ça s'appelle Explorer le monde botanique et c'est chez Faïdon. C'est vraiment un magnifique ouvrage. C'est vrai que voilà, là, on est dans le Alors, toujours dans le beau livre et un petit peu original, la France impression d'ailleurs, c'est un inventaire. Voilà, c'est vous êtes en France et vous avez l'impression d'être ailleurs. Voilà, dans une autre région du monde. Donc, on vous dit où vous êtes et où vous pourriez être. Voilà. Donc, bon, c'est un petit clin d'œil, c'est un petit peu original. Voilà. Pour découvrir la beauté de la France. Hop, voilà. Et puis le dernier, pour les amoureux d'Indochine, la Bible Indochine. Voilà. Et donc, hop, c'est sorti au seuil. Vous avez toute l'histoire d'Indochine, des photos inédites, et puis l'histoire du groupe. L'histoire des textes aussi, des pochettes. Enfin, vraiment, là, c'est l'encyclopédie. Voilà. Pour la modique somme de 49 euros. Voilà. Et donc, plein d'autres idées cadeaux si vous voulez venir à la librairie, sans souci. Bye bye!